Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se calme aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la famille. Ghetto vu sur le challenge Société Suspecte. Mais bref, avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est super important. Likez, commentez, partagez la vidéo. On commence. Une affaire est de nouveau sous l'arbre à palabre. Et oui, le rappeur togolais Ghetto V qualifie certains de ses collègues comme étant des poules et par conséquent inférieurs à lui dans le rap game. Ha, le chef de file des Banous serait d'après ses propres mots le président du rap game. Et oui, ce qu'il clame haut et fort à chaque fois qu'il en a l'occasion. En effet, ces révélations font suite à un challenge lancé par Suspect 95. Et oui, le remise de la société suspecte. Le fait qu'on ait demandé à Ghetto V de participer est ce qui l'a énervé et sorti de ses gonds. Et oui, il a qualifié cela comme un véritable et sérieux manque de respect. D'où son long discours sur TikTok pour rétablir son statut de lion. « Je n'aime pas les embêtements », affirme-t-il. Voici les propos de Ghetto V. Je cite. Sérieusement, les Togolais me manquent de respect. Vous demandez au meilleur rappeur africain de faire un challenge, vous demandez à un lion d'aller se battre avec des poules, c'est que vous leur cherchez des problèmes. Le président Faure Gnassingbé ne peut pas aller aux élections législatives. Je suis comme le président Faure. C'est parce que nous sommes au Togo. Sinon, ces rappeurs internationaux ne sont pas plus talentueux que moi. Ces artistes togolais qui font le challenge, c'est qu'ils ont reconnu qu'ils sont faibles. Mais moi, je suis plus fort que eux tous. Je suis le président du rap game et j'impose mes lois. C'est à vous de m'obéir, pas le contraire. Allez taguer Suspect 95, Blaze, et demandez leur de faire un challenge sur mon morceau. Ils ne pourront pas. Si Blaze écoute une de mes chansons, il demandera un remix, mais je refuserai, à moins qu'il paie. Je n'aime pas les embêtements, a-t-il déclaré. Ha, et sinon famille, les avis sont tellement divergents sur ce propos. Certains sont totalement d'accord avec Ghetto V et d'autres encore moins. Sur le simple fait que des artistes internationaux reconnus même ont fait le challenge. Pourquoi pas lui? Pour d'autres, c'est qu'il est arrogant. Et pour d'autres encore, c'est parce qu'il n'arrivera pas à faire ce challenge. Sinon famille, dites-moi, et vous, que pensez-vous des propos de Ghetto V? Dites-le nous dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.